Les orgues de Barbarie, ce n'est pas des grands orgues, mais leur refrain brouillé, ça veut se mettre dans ses envois. Les orgues, comme le monde de la ronde, mais mon cœur n'oubliera pas celui-là. Entre eux, il y avait le Larousse.
photo. Il m'a fait un
Mais on est très heureux d'être là avec vous aujourd'hui. Merci aux sponsors, merci aux commerçants, merci aux nombreux bénévoles qui ont déjà beaucoup œuvré, qui vont continuer tout au long du week-end. Donc voilà, le maire va vous dire un petit mot, mais je vous remercie beaucoup d'être là et j'espère qu'on va swinguer ce soir et chanter. Merci pour les enfants malades, bien évidemment, mais on va faire la fête ce week-end. Merci. Bonsoir à tous. Bonsoir Madame la Présidente de Vignoble Espoir. Bonsoir à tous les bénévoles et toutes les personnes qui ont permis l'organisation de cette soirée. Mais moi, en tant que maire, je voudrais remercier aussi tous les services de la ville qui ont participé à l'installation de cette salle. Parce que vous avez qu'il y a un plancher de danse, il y a un podium, il y a des sapins, il y a des tables et autres. Donc il y a eu les personnels des services des sports, des services techniques, voirie et toute la partie technique. Et puis les autres services de la ville, communication et secrétariat général qui ont coordonné et ont fait la communication sur ce week-end. Mais j'espère que vous allez bien chanter et danser. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne soirée. Et puis maintenant, place à la musique. Je voudrais remercier aussi, si je n'ai pas fait tout à l'heure, l'orchestre du personnel de la BNP. Qui... Je ne bouge pas et je t'aime. Et n'oublie pas l'anniversaire de Nicolas. Merci beaucoup. Merci Vignoble, vous avez compris le karaoké, c'est facile. Il suffit simplement de se laisser bercer par la musique. Vous chantez par-dessus pour votre confort. L'équateur du Brésil, entre Cuba et Manille, alors l'été c'est facile, prends-moi la main, viens danser. Oui, entre les vagues et le ciel, tu ne seras jamais pareil. Je veux pas déranger, mais
grand niveau. Je vois que vous allez tous faire du cheval alors. Romoli, sa femme qui a fait plein de crêpes, très bonnes, j'ai senti, c'est merveilleux. Tous les enfants qui participent au Téléthon, toutes les familles, tous les bénévoles que je connais bien, et également la SHVE avec Madame Danzois et toute son équipe qui vous fait des compositions florales extraordinaires. Merci pour le Téléthon 36-37 et je pense que Villemomble, on va faire un score extraordinaire encore cette année. Merci à tout le monde. Thank you.
Allez, on passe. Assurez-moi. Allez, si vous pas la impatient de démarrer le loto, donc je vais pas être très long. Madame Lecoeur, maire adjointe chargée des affaires sociales, mais aussi présidente de Villemomble-Espoir, a rappelé que tout ce week-end qui a été organisé pour le Téléthon, et M. Barré pourra vous donner un petit peu des nouvelles de la collecte des dons sur le plan départemental ou sur le plan national, puisqu'il est, tenu au courant par ses instances de la, du déroulement du Téléthon au plan national. Moi, je voudrais simplement... Bon, à mon nom personnel et puis aussi ceux des élus qui sont là. Il y en a qui étaient en tant que personnes actives, il y en a qui ont des t-shirts jaunes aussi de nos élus, il y en a qui ont simplement qui sont là au buffet, il y en a qui sont avec leurs compagnes, ils se sont investis depuis plusieurs semaines aussi pour préparer ce Téléthon. Remercier tous les bénévoles, toutes les personnes qui ont permis l'organisation de ces journées, parce que c'est un gros travail, ça commence pratiquement... l'année suivante, c'est-à-dire que la semaine prochaine, ils vont commencer à se dire qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été. Moi, encore une fois, je voudrais simplement féliciter que ces manifestations s'organisent sur Villemomble. Nous avons commencé il y a presque une dizaine d'années avec sous une autre forme et ça fonctionne bien. La recherche médicale a encore besoin d'argent.
Et il est important que, soit directement par des dons, soit quand vous venez à des manifestations organisées par les communes, on puisse faire remonter le maximum de dons pour que la recherche médicale puisse évoluer dans notre pays, mais pas seulement dans notre pays, parce qu'on sait très bien que maintenant les choses se font au niveau de l'international. Quand quelque chose est découvert dans un pays, l'ensemble des habitants de cette planète peuvent en profiter. Voilà, je ne serai pas plus long. Encore une fois, bonne fin d'après-midi à tous. Profitez-en, respectez bien aussi les bénévoles qui vous ont servi toute l'après-midi et qui vont vous aider à organiser ce loto cet après-midi. Moi aussi, un grand merci. Vous voyez comment on fait défiler le nom des différentes entreprises, sociétés, commerçants et même personnes individuelles qui ont permis ces lots. Merci à tous les services de la ville. Le BAC a été cité tout à l'heure, mais aussi le service des sports, le service technique, le service communication qui ont permis un petit peu d'organiser tout, chacun à leur niveau cette manifestation. Encore un grand bravo à tous. Bon loto. Et je passe la parole à M. Barré qui va nous parler, lui, dans le détail de l'AFM et des dons qui ont été reçus jusqu'à maintenant. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Au titre de l'AFM Téléthon, je suis particulièrement heureux d'être présent cet après-midi à vos côtés pour cette fête de solidarité qui marque votre mobilisation pour le Téléthon. Je fais partie de l'équipe de coordination départementale du Téléthon de Seine-Saint-Denis depuis déjà 11 ans. Je tiens à vous remercier de votre présence, de votre implication dans les différentes animations au cours de ce week-end Téléthon. C'est l'addition de tous vos efforts, de tous nos dons, petits et grands, qui font du Téléthon un événement toujours exceptionnel. Mes remerciements vont aussi à toute l'équipe d'organisation de Villemomble pour leur audace, leur fidélité, leur engagement, leur dévouement. Un grand merci aussi à la mairie, aux écoles, aux associations et aux partenaires locaux. Grâce à tous les participants, donateurs, organisateurs, la FM Téléthon peut avancer pour faire émerger de nouvelles thérapies. Je ne les citerai pas parce qu'autrement il y en aurait pour l'après-midi. Plus de 650 chercheurs qui travaillent aujourd'hui ensemble à Paris, Évry et Nantes pour permettre aux malades de vivre mieux, d'être mieux accompagnés avec l'espoir de guérison dans un futur proche. Toute l'équipe de coordination vous remercie et vous souhaite un bon après-midi. Et s'il y a des volontaires pour venir nous rejoindre à l'équipe de coordination, nous sommes preneurs. Vous mettez simplement votre nom dans une urne. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et bon après-midi à tous. Merci, M. Barré. Donc, je pense que tout le monde connaît le loto ou non ? Non ? C'est la première fois. Vous allez tirer un numéro. Le plus gros numéro gagnera le lot en question. Et les suivants ont des lots de consolation. Allez, c'est parti. C'est parti. Silence complet. 50. 50. 14. Le numéro 11. 72. 72. 72. 27. 27. 34. Numéro 39. 78. Oui. 83. Oui. C'est gagné pour l'instant. Bravo. Bravo. C'est possible de faire dans l'ordre. Numéro 81. 82, 83. J'ai sauté 81. 60.